C'est un chantier exceptionnel qui se déroule sur Notre-Dame de Paris parce que un tel chantier, déjà l'ampleur des structures d'échafaudage sont déjà rien que ça exceptionnel, mais c'est une intervention qui n'a pas eu lieu sur la flèche de la cathédrale depuis 1935-37. Donc là on va refaire toute la couverture en plomb de la flèche et donc c'est quelque chose qui va se faire tous les 80 ans. Ben, là déjà vous voyez que la flèche est noire sur cette face là et elle est plus grise de l'autre côté. Donc il y a une question d'orientation par rapport aux intempéries. Et puis probablement qu'au 1937, lorsqu'ils ont restauré cette flèche, ils ont dû appliquer dessus une sorte de produit pour protéger le plomb mais qui a peut-être eu une réaction chimique qui fait que ça a noirci beaucoup. Donc on sait très bien comment Viollet-le-Duc a rendu sa flèche quand il a terminé son chantier. On a des photos qui attestent de ça. Là, vous voyez, la couverture de la cathédrale est en plomb grise. Et bien, la flèche était de la même couleur que la couverture de la nef. Et puis les statues, qui aujourd'hui sont vertes, étaient à l'origine en cuivre brun. C'est-à-dire que ça ressemblait à du bronze. Et là, la question qui se pose, c'est dans quel état on va finalement rendre la flèche. Est-ce qu'on revient à ces couleurs contrastées, c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui avec une flèche noire et des statues plus claires, ou alors une flèche plus claire avec des statues plus brunes. Et ça on va voir parce que on a découvert entre autres qu'elles sont vertes à cause de l'oxydation du cuivre naturel, mais que par-dessus il y avait également une pellicule qui devrait être de la peinture. L'ennui c'est qu'on n'a aucune trace de cette application de peinture. On ne sait pas quand ça a été mis, si c'est de la peinture, tout ça on ne sait pas. Donc il va falloir que les statues fassent l'objet d'analyses, de prélèvements, et on va savoir qu'est-ce qu'il y a dessus, comment a évolué la statue pour savoir dans quel état on va pouvoir la rendre. Pour un architecte et un conservateur, c'est un moment absolument, oui, très, très particulier qu'on ne vivra qu'une fois. Et on a la chance que justement toute cette restauration générale de la cathédrale qui commence par la flèche tombe sur nous. C'est unique au monde parce que bon, c'est un chantier tout à fait exceptionnel. Et en plus, c'est la première fois que l'on monte aussi haut au niveau de la cathédrale, puisque là, on culmine à peu près 50 mètres. Et quand l'échafaudage aura atteint le haut de la flèche, on culminera à peu près 100 mètres. Donc c'est à la fois voir des éléments de la cathédrale de près qu'on n'a pas vu donc, depuis les années 30 d'aussi près. Puis il faut avouer qu'on a une très, très belle vue sur Paris.